Ouais, rien de spécial. Rien du tout vers le bas. Bon, ok, merci. Alors, pourquoi des talkie-walkie ? Mais talkie-walkie parce que le téléphone ne passe pas. Et on a des problèmes de téléphonie parce que le réseau est saturé, on a un réseau qui est ancien et puis qui ne peut pas s'améliorer. Bienvenue dans le désert numérique. Aux Eyrolles, le haut débit n'arrive pas jusqu'au foirail. Téléphoner ou charger l'application Eyrolles29 relève de l'exploit. On a développé une application qui ne fonctionne pas le jour d'affluence des foires. Les gens sont censés être guidés grâce à notre application qu'on a mis en place et ça ne fonctionne toujours pas. Entre le cadran et la foire mensuelle, la commune réalise 400 000 euros de chiffre d'affaires chaque semaine en moyenne, mais son développement est freiné. C'est un gros problème économique pour la foire des Eyrolles parce que les gens ne peuvent pas communiquer souvent, ils se cherchent. Le marché au cadran qui a lieu tous les lundis où il y a des opérateurs, ils ne peuvent pas appeler leur patron. Et c'est un problème qui revient toutes les semaines et toutes les foires avec le monde qu'il y a. Raymond Gallet, le maire des Eyrolles, se démène pour renverser la situation. Le conseil municipal, il y a 10 jours, a fait une motion pour envoyer à madame la préfète, au président du département, à la région. On va envoyer à tout le monde pour dire qu'avec l'événement qu'il y a, avec le marché au cadran, il est inadmissible qu'on n'ait pas un pylône digne de ce nom. C'est aussi un préjudice pour les commerçants qui ne peuvent pas utiliser correctement les terminaux bancaires. Petit problème de réseau dans la commune. Du coup, ça recherche tout de suite le réseau. Et on va voir. Comment vous faites dans ces cas-là ? Eh bien, on avance aux clients. Pour faciliter le commerce, les Eyrolles attendent une antenne 4G et la fibre.